Le chef-d'œuvre de la raison et de la justice. Le passage dont il est question se trouve à la fin du chapitre 14. Dans ce chapitre, intitulé « Comment Candide et Cacambo furent reçus par les Jésuites du Paraguay », c'est par cette formule, le chef-d'œuvre de la raison et de la justice, que le valet, nouveau compagnon d'aventure de Candide, présente le gouvernement de Los Padres, les Jésuites du Paraguay, qui se disputent la domination des peuples autochtones, les Indiens guaranis, avec les Espagnols et les Portugais. Pour mémoire, au chapitre 10, Candide embarquait pour l'Amérique du Sud comme capitaine, prêt à mettre sa lame au service des Espagnols contre les Jésuites. Or, entre-temps, l'Inquisition a retrouvé sa trace, si bien que sur les conseils de Cacambo, il prend la fuite pour le Paraguay et se dit qu'au lieu de faire la guerre aux Jésuites, la fera peut-être pour eux. Le valet, qui connaît bien le pays, va véritablement prendre en charge pour Voltaire, dans la première partie du chapitre, la satire de ce régime, en expliquant notamment que c'est une chose admirable que ce gouvernement, los padres y ont tout et les peuples rien. Et d'ajouter, c'est le chef-d'œuvre de la raison et de la justice. Alors, pour en venir plus précisément au passage qui nous intéresse, les deux fugitifs sont donc en quête de protection et parviennent à obtenir une entrevue avec le révérend père commandant qui fait maintenant son entrée en scène à travers la lecture du passage que je me propose de vous faire. C'était un très beau jeune homme. Le visage plein, assez blanc, haut en couleur, le sourcil relevé, l'œil vif, l'oreille rouge, les lèvres vermeilles, l'air fier. Mais d'une fierté qui n'était ni celle d'un Espagnol, ni celle d'un Jésuite. On rendit à Cacambo et à Candide leurs armes qu'on leur avait saisies, ainsi que les deux chevaux andalous. Cacambo leur fit manger l'avoine auprès de la feuillée, ayant toujours l'œil sur eux, crainte de surprise. Candide baisa d'abord le bas de la robe du commandant, ensuite, ils se mirent à table. « Vous êtes donc allemand ?» lui dit le jésuite en cette langue. « Oui, mon révérend père, » dit Candide. L'un et l'autre, en prononçant ces paroles, se regardaient avec une extrême surprise et une émotion dont ils n'étaient pas les maîtres. « Et de quel pays d'Allemagne êtes-vous » dit le jésuite. « De la sale province de Westphalie, » dit Candide. « Je suis né dans le château de Thundertentrunk. » « Ô ciel! Est-il possible ?» s'écria le commandant. « Quel miracle !» s'écria Candide. « Serait-ce vous ?» dit le commandant. « Cela n'est pas possible !» dit Candide. Ils se laissent tomber tous deux à la renverse, ils s'embrassent, ils versent des ruisseaux de larmes. « Quoi ? Serait-ce vous, mon révérend père? Vous, le frère de la belle Cunégonde? Vous qui fûtes tué par les Bulgares? Vous, le fils de monsieur le baron? Vous, jésuite au Paraguay? Oh, il faut avouer que ce monde est une étrange chose. Oh, Pangloss, Pangloss, que vous seriez aise si vous n'aviez pas été pendu. » Le commandant fit retirer les esclaves nègres et les Paraguayens qui servaient à boire dans des gobelets de cristal de roche. Il remercia Dieu et Saint Ignace 1000 fois. Il serrait Candide entre ses bras. Leur visage était baigné de pleurs. « Vous serez bien plus étonné, plus attendri, plus hors de vous-même, » dit Candide. « Si je vous disais que mademoiselle Cunégonde, votre sœur, que vous avez crue éventrée, est pleine de santé. »« Où ?»« Dans votre voisinage, chez monsieur le gouverneur de Buenos Aires. Et je venais pour vous faire la guerre. » Chaque mot qu'ils prononcèrent dans cette longue conversation accumulait prodige sur prodige. Leur âme tout entière volait sur leur langue, était attentive dans leurs oreilles et étincelante dans leurs yeux. Comme ils étaient allemands, ils tinrent table longtemps, en attendant le révérend père provincial. et le commandant parla ainsi à son cher Candide. Quelle surprise! Quelle heureuse surprise! Alors qu'on s'attend logiquement à une rencontre entre le désormais capitaine Candide et le révérend père, certes, mais néanmoins commandant, une rencontre virile en somme, on est très surpris. D'abord par la résurrection de ce personnage, le fils du baron, dont il n'est que très peu fait mention dans les chapitres précédents. En dehors de quelques informations laconiques sur les circonstances de sa mort, rien. La surprise ménagée par Voltaire fonctionne donc d'autant mieux. Surpris, le sont tout autant les autres personnages qui sont ici mis en scène dans une anagnorisis, la fameuse scène de reconnaissance, chère à Voltaire, à laquelle il a recours pour la troisième fois, puisqu'on a déjà assisté à la reconnaissance Pangloss-Candide au chapitre 4 et à celle avec Cunégonde au chapitre 7. Mais ce qui frappe plus encore dans ce passage, c'est sa tonalité enlevée et excessive et la félicité complète des personnages qui prêtent naturellement à rire. Alors la question est la suivante, pourquoi? Pourquoi une telle résurrection dans l'équilibre de ce passage? En quoi cette résurrection vient-elle appuyer la critique des jésuites? Trois mouvements se dessinent assez clairement qui coïncident avec les trois paragraphes donnés dans l'édition. Premier point, entrée messianique du missionnaire, je m'intéresserai en particulier au portrait physique du révérend et à l'intertexte. Dans un deuxième temps, du pathétique au burlesque, reconnaissance et résurrection, il s'agira de montrer comment l'imbrication des registres vient alimenter tout le comique de la scène. Enfin, dernier point, état de grâce, il s'agira de s'interroger sur la nature de la félicité des personnages. Première partie, entrée messianique du missionnaire. La première partie de ce paragraphe est consacrée au portrait physique du révérend en point de vue interne et met l'accent sur la forte impression faite sur Candide. On peut être surpris, dès la première ligne, par la part belle faite à la beauté du personnage et l'emploi du superlatif. C'était un très beau jeune homme. Il n'est pas seulement beau, il est très beau. Or, cette beauté du personnage est essentielle. On l'apprend de l'aveu même du baron au chapitre suivant. Suite à l'assaut du château, et alors qu'il était donné pour mort, il a été secouru par un jésuite, et il raconte, chapitre 15, « J'étais fort jolie, je le devins encore davantage, aussi le révérend père Croust prit pour moi une tendre amitié. » C'est donc à sa beauté, on le comprend, qu'il doit son salut. On peut se demander par ailleurs en filigrane quel étrange lien logique de causalité Voltaire sous-entend entre cette grande beauté et la plus tendre amitié prise par son sauveur. Le visage plein, l'adjectif plein est ici signe de santé et d'une alimentation sans doute plus riche et plus variée que celle donnée aux Paraguayens qui sont cantonnés, on l'apprend quelques lignes avant le passage, à manger eux du maïs dans des écuelles de bois. Assez blanc. L'adjectif est modalisé par l'adverbe « assez » et souligne une origine vraisemblablement plus septentrionale que celle d'un ressortissant espagnol. La blancheur, hélas, étant aussi à associer à une certaine forme de noblesse dans la hiérarchie des couleurs de peau. On songe aussi bien sûr à Cunégonde, toute émoustillée à la vision de la blancheur de la peau de son Candide, alors que, accessoirement, il est en train d'être supplicié à coups de fessée. Le sourcil relevé, l'œil vif, l'oreille rouge, les lèvres vermeilles. On note ici une accumulation dans ce portrait par touches successives de signes de vigueur et de santé, si bien qu'il se dessine davantage le portrait d'un jeune soldat fait pour combattre que celui d'un missionnaire. Paradoxe finalement cohérent dans la mesure où les jésuites relèvent cette gageure d'être à la fois l'un et l'autre. L'air fier. Cette nouvelle juxtaposition fait office de formule conclusive au portrait, mais cette fierté reste difficile à démêler. Elle est définie par la négative, ni celle d'un Espagnol, ni celle d'un jésuite. Ces deux expansions du démonstratif, celles sont ici mises sur le même plan, dans la mesure où elles renvoient aux deux forces d'oppression en présence. Le mystère de cette identité complexe est donc délibérément maintenu, et pour Candide et pour le lecteur, et procède de l'effet de surprise du deuxième paragraphe. On rendit à Candide et à Cacambo leurs armes qu'on leur avait saisies, ainsi que les deux chevaux andalous. Quelques lignes avant le passage, on a appris que les deux personnages, pris pour des Espagnols, se sont vus confisquer leurs effets. Ils ne les retrouvent que sous la directive implicite du révérend père, et l'emploi du pronom indéfini « on » semble opérer comme par magie et conférer des pouvoirs surnaturels aux jésuites. Cacambo leur fit manger l'avoine près de la feuillée. Les chevaux sont donc bien nourris et bien traités, tandis que les animaux mangent à l'ombre, les autochtones, eux, mangent en plein champ à l'ardeur du soleil. Précision donnée quelques lignes avant le passage. Critique aussi, une fois de plus, de ce régime très inégalitaire. Alors, l'arrivée d'un homme qu'on ne connaît pas, mais dont on espère tout, et notamment la bonne parole, le retour des deux chevaux, la présence du végétal qui adoucit le parcours, la feuillée, on est amené à songer assez naturellement au chapitre 21 de l'Évangile selon saint Matthieu, intitulé « Arrivée messianique à Jérusalem ». Certes, le jésuite n'entre pas en scène comme Jésus, juché sur le dos d'un des deux équidés, mais les ressemblances entre les deux textes restent manifestes. Pour terminer cette première partie, quelques mots encore concernant Cacambo. Ayant toujours l'œil sur eux, crainte de surprise. On retrouve ici une des caractéristiques des pièces de théâtre de cette époque où la sagesse et la prudence des valets dépassent souvent celles des maîtres. On peut noter aussi que Cacambo, valet et sans mêler de surcroît, reste bien à sa place, c'est-à-dire auprès des chevaux. Cet accueil est à mettre en relation avec celui reçu lors de l'Eldorado, où non seulement Cacambo est reçu à la table des convives, mais va bientôt servir d'interprète pour finalement dépasser son maître, puisqu'on apprend au chapitre 18 que Candide ne jouait plus que le second personnage et accompagnait son valet. Deuxième partie, du pathétique au burlesque, reconnaissance et résurrection. Ce qui frappe de prime abord dans ce deuxième paragraphe, c'est la prédominance du dialogue. C'est véritablement une scène de théâtre qui se joue sous nos yeux. Candide baisa d'abord le bas de la robe du commandant. L'emploi de l'adverbe temporel d'abord met l'accent sur les signes de soumission, au sens premier de se soumettre, à donner au préalable à tout échange en guise de sa bonne foi. On se soumet donc à la fois à l'homme d'église et à l'homme d'armes. Ce rituel étant effectué, ils peuvent se mettre à table et c'est d'ailleurs à cet instant que commence progressivement la révélation. « Vous êtes donc allemand », lui dit le jésuite en cette langue. « Oui, mon révérend père, dit Candide. » Cette langue, si l'on en croit Voltaire, c'est la langue originale de ce conte, écrit par un certain docteur Ralph et traduit de l'allemand. Pour les personnages, c'est aussi la langue originelle, celle d'un retour aux sources et celle qui, comme une Madeleine de Proust avant l'heure, va déclencher des réminiscences saisissantes chez les personnages et engendrer une forme de réflexe de sympathie naturelle entre membres d'une même diaspora. L'un et l'autre, en prononçant ces paroles, se regardaient avec une extrême surprise et une émotion dont ils n'étaient pas les maîtres. L'un et l'autre, l'autre et l'un, réciprocité parfaite entre les pronoms, qui gomme cette première relation hiérarchique et verticale et liée au geste inaugural de soumission. Et on passe désormais à une relation, disons, plus horizontale et fraternelle, voire amoureuse. Tous deux partagent la même surprise, extrême, on relève le superlatif, et c'est donc l'émotion et le pathétique qui s'invitent désormais dans cette scène. S'ensuit une stichomitie efficace, un bref échange de 6 répliques, au cours desquelles va s'opérer la révélation bouleversante de leurs identités respectives. Or, Voltaire se plaît, pour notre plus grand plaisir, à un sabotage systématique et délibéré du pathétique qui tourne au burlesque. Si on étudie en effet les répliques, la tension dramatique va crescendo, puisque l'enquête se resserre dès la deuxième question du baron, et la réponse de Candide mène à la révélation. Et de quel pays d'Allemagne êtes-vous? Pays au sens province. De la sale province de Westphalie, je suis né au château de Thundertentrunk. Plus de doute possible, le paradis perdu est nommé et provoque l'incrédulité et la consternation des personnages. 4 répliques. Au ciel est-il possible? Quel miracle? Serait-ce vous? Cela n'est pas possible. ponctuation expressive, hein, apostrophe au ciel, intercession du divin, le miracle, pour expliquer donc l'inexplicable. Et à la question du baron, est-il possible, la réponse de Candide en chiasme, cela n'est pas possible. Parallèlement, on observe un véritable travail de sape chez Voltaire qui utilise les verbes de parole de façon mécanique à des fins burlesques. Ils sont d'abord systématiques pour chaque réplique et tous placés en incise. Ils sont sémantiquement neutres ou assez pauvres, hein, dire, s'écrier. Ils sont ensuite utilisés par paires comme pour créer un effet d'écho parasite. Didi, didi, s'écria, s'écria, didi. Les précisions sur le locuteur, enfin, permettent certes d'identifier les personnages, mais n'apportent rien à la dimension pathétique ou narrative du texte, bien au contraire. Le dialogue s'interrompt un instant et le récit reprend au présent de narration comme s'il revêtait une valeur didascalique. Il se laisse tomber à la renverse, il s'embrasse, il verse des ruisseaux de larmes. On est en plein pathos. Voltaire nous en offre un bel échantillon à travers l'utilisation de ce rythme ternaire, l'emploi de l'expression hyperbolique des ruisseaux de larmes et la fusion quasi charnelle des personnages qui ne sont plus l'un et l'autre, mais un simple et unique « il ». Dernière réplique de ce passage, celle de Candide, qui s'ouvre sur un pronom exclamatif « quoi ?» suivi d'une interrogation dans laquelle l'emploi du conditionnel vient renforcer l'incrédulité de Candide. Serait-ce vous? La réplique se poursuit avec une accumulation de 4 segments construits sur le même modèle, vous plus apposition au pronom, eux-mêmes comme autant d'appositions au révérend père de la question qui précède. La reprise anaphorique du pronom et de ses expansions a ici une triple fonction. Pour la psychologie du personnage, d'abord, c'est une manière de sortir de cet état de sidération et de redevenir maître de ses émotions. Pour le conteur, Voltaire, c'est un moyen presque pédagogique et utilisé de façon récurrente d'offrir pour mémoire à son lecteur un condensé rapide et efficace des différents éléments à remobiliser pour la compréhension de l'intrigue et des personnages. Enfin, cette répétition participe à l'évidence du comique par le fait même de la répétition. Il faut avouer que ce monde est une étrange chose étrangère et qui échappe à la connaissance, défiante une fois de plus l'entendement, et cet euphémisme opère lui aussi comme un ressort comique. Ô Pangloss, Pangloss, que vous seriez aise si vous n'aviez été pendu. Candide, submergé par la joie et la surprise, et alors que la raison ne peut expliquer un tel revirement de la Providence, fait appel à son maître à penser. Le bonheur existerait-il sur cette terre? Pangloss aurait-il raison? On serait prêt à y croire, ou presque. Hein. L'emploi de l'ironique subordonnée conditionnelle, si vous n'aviez pas été pendu, hein, donné ici comme de façon anecdotique, nous invite cependant à la plus grande réserve. Troisième partie, état de grâce. Le commandant fit retirer les esclaves nègres et les Paraguayens qui servaient à boire dans des gobelets de cristal de roche. Voltaire, dans son L'essai sur les mœurs en 1756, écrivait à propos des Jésuites au Paraguay « Ils se sont fait une vertu de soumettre des sauvages par l'instruction et la persuasion. » Un peu plus loin, il écrit encore « L'essence d'un Paraguayen a été jusqu'ici l'obéissance aux lois des Jésuites. » Et enfin, ils sont les esclaves des Jésuites. Cette précision, livrée dans le passage, un peu à la dérobée, comme un simple détail relatif à un changement de décor, permet en réalité à Voltaire de pointer violemment 3 dérives de ce modèle, présenté à l'époque comme une sorte d'utopie sociétale et qui fonctionne dans le conte comme une contradiction anticipée de l'Eldorado. D'abord, le droit à la possession d'esclaves nègres. Ensuite, l'asservissement des populations autochtones réduites au simple service des boissons. Enfin, le goût du luxe et de la bonne chère, hein, on boit dans des gobelets de cristal de roche, hein, qui composent mal avec le vœu de pauvreté. Il remercia Dieu et Saint Ignace 1000 fois. Il s'agit de Saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus en 1540, Et ce Saint Ignace prônait une obéissance aveugle à la divine providence perinde a cadaver, c'est-à-dire à la manière d'un cadavre. Il serrait Candide entre ses bras, leur visage était baigné de pleurs. Le pathétique et ses hyperboles reviennent, mille fois, baignés de pleurs, et cette effusion lacrymale n'est pas sans rappeler un certain nombre de romans à succès de cette époque. On songe notamment à Manon Lescaut de l'abbé Prévost et aux bouleversantes et humides retrouvailles entre Manon et son chevalier des Grieux. Vous seriez bien plus étonné si je vous disais, retour du discours direct avec un système hypothétique, l'irréel du présent n'est ici que rhétorique, puisque de fait Candide le lui dit, mais une fois de plus, c'est l'acte de langage lui-même qui permet d'intégrer et d'accepter comme tel ce que la raison rechignerait à valider. Plus étonné, plus attendri, plus hors de vous-même, Voltaire utilise à nouveau un rythme ternaire avec une gradation croissante, qui participe du pathétique et fait écho à cette première émotion dont il n'était pas les maîtres. Votre sœur Cunégonde, que vous avez cru éventrée, est pleine de santé. Cunégonde a en effet ressuscité, elle aussi, au chapitre 7. Elle est pleine de santé, le pauvre ne croit pas si bien dire, puisque à ce stade du récit, il ignore ce que nous, lecteurs, savons, à savoir qu'elle a d'autres projets et qu'elle s'apprête à épouser le gouverneur de Buenos Aires. Ou, rupture de rythme et d'énergie avec ce « ou » isolé entre tirets, dans votre voisinage, chez monsieur le gouverneur de Buenos Aires, et je venais pour vous faire la guerre. On se souvient du projet initial, la guerre contre les jésuites, et Candide semble désormais s'étonner lui-même de l'absurdité et de la réversibilité du choix de son camp. Chaque mot qu'il prononçait accumulait prodige sur prodige. Prodige sur prodige, hyperbole amusante, si on met la longue conversation en relation avec ce « ou », tout petit, isolé, entre tirets, et bien trop concis pour être si prodigieux. Les deux comparses seraient-ils touchés par la grâce? Cette grâce, en tout cas, n'est pas sans rappeler le conflit entre jansénistes et jésuites, entre grâce efficace et grâce suffisante. Leur âme tout entière volait sur leur langue, était attentive dans leurs oreilles et étincelante dans leurs yeux. L'harmonie semble parfaite entre les âmes et les corps. Retour du rythme ternaire pour la troisième fois, avec une accumulation de métaphores, cette fois-ci digne du cantique des cantiques. La félicité semble complète et tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comme ils étaient allemands, ils tinrent table longtemps. Dernière rupture de ton, cette allusion assez prosaïque et pour le moins amusante aux pratiques culturelles allemandes que Voltaire connaît bien pour avoir longtemps séjourné à la cour de Frédéric II et qui pourrait se doubler d'une saillie à l'encontre de ces jésuites et allemands un peu trop amateurs de bonne chère. On songe bien sûr à la mère de Cunégonde, qui pesait pas moins de 350 livres, et à Cunégonde elle-même, dont on finira par s'accommoder de la laideur parce qu'elle façonne d'excellents gâteaux. Le chapitre se clôt par cette proposition, et le commandant parla ainsi à son cher Candide, qui fait office de formule biblique conclusive, où la parole est au cœur de l'action. La phrase se mêle d'une parodie de pathétique, puisque Candide est précédé du déterminant possessif « son » en signe d'affection, et de l'adjectif « cher » au sens bien-aimé, qui laisse toute la place à l'ambiguïté sentimentale de cette relation. Alors que dire en guise de conclusion ? Alors que la première partie est consacrée à la satire de ce modèle quasi dystopique, à cela près que les réductions des jésuites au Paraguay ont bel et bien existé, dans la deuxième partie, et donc dans le passage qui nous intéresse, la tension dramatique est poussée à son paroxysme dans cette scène de résurrection, plus encore que de reconnaissance. Candide cherchait protection, il trouve un ami, un frère, un sauveur, qui le mettent à l'abri de l'Inquisition, du moins l'espère-t-il, et une autorité légitime à qui demander la main de Cunégonde. Car que manque-t-il à Candide pour que sa félicité soit complète? Pangloss, mais il serait bien aise s'il n'avait été pendu. Cunégonde, sa promise, c'est certain. Cette scène, qui se construit pas à pas sur une énergie ascensionnelle des personnages, qui caresse l'espoir d'un bonheur parfait, laisserait espérer pour Candide un avenir radieux et l'accomplissement de cette promesse que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Clairement, il n'en est rien. Voltaire s'amuse aussi bien avec les personnages, qu'il laisse s'embraser d'illusions comme un feu de paille, qu'avec le lecteur, à qui il donne des signes tangibles que tout ce Deus ex machina n'est ici échafaudé que pour rendre la désillusion de Candide plus violente encore au chapitre 15. Candide, en simple roturier, s'enhardit de cette nouvelle amitié et ose demander la main de Cunégonde. Le baron scandalisé refuse catégoriquement et les émouvantes retrouvailles sont balayées d'un simple coup d'épée à travers le corps. Le jésuite meurt, mais il est coriace. Il ressuscite une deuxième fois au chapitre 27, où on apprend cette fois-ci qu'il a entre-temps été envoyé aux galères pour avoir été surpris, tout nu, au bain, avec un jeune Turc fort bien fait. Il est cependant resté tellement insupportable que tous s'accordent pour s'en débarrasser, sans doute avec justice et raison, définitivement, en le renvoyant à Rome par le premier bateau.